Plusieurs études scientifiques montrent que consommer du lait peut entraîner un certain nombre de problèmes, type les dysbioses, c'est-à-dire vous générez une flore pathogène au niveau de votre estomac qu'il va falloir rétablir. Et pour pouvoir le faire, vous êtes obligé de consommer des pré- et probiotiques. Quand je parle de flore pathogène, vous avez par exemple les Candida albicans. Vous avez aussi d'autres problèmes de santé, type les mycoses, une mauvaise gestion du stress, de ce genre de choses qui se produit dès l'instant où vous avez une dysbiose. Donc comment vous allez faire pour rétablir tout ça? Comme je vous ai dit, vous allez prendre des probiotiques, mais vous avez aussi une autre alternative au lait de vache. C'est des boissons à base de lait, comme les boissons à base d'amandes, de noisettes, de sucets, d'avoine, qui vont pouvoir vous apporter les éléments dont vous avez besoin sans créer de problèmes supplémentaires de santé. J'aurais tendance à conseiller de les faire soi-même pour éviter les additifs, également les ajouts de sucre qui ne sont pas négligeables dans ces boissons, même de qualité biologique. Et là, vous allez pouvoir résoudre vos problèmes de terrain et être en meilleure santé.